L'Indonésie est en train de connaître, en fin de compte, deux grands changements du point de vue de l'alimentation. Le premier, c'est qu'avec le développement, on assiste à un mouvement des protéines d'origine plutôt végétale, avec ce mélange assez étonnant entre le riz et le tempeh, qui est un mélange de soja fermenté, qui a pour effet d'améliorer la qualité des protéines par complémentation à une augmentation des protéines d'origine animale. C'est un mouvement auquel on assiste partout sur la planète, dans les pays qui se développent. Mais chaque pays a un peu son originalité, sa signature particulière. Ça, c'est le premier mouvement. Et il y a un deuxième mouvement en Indonésie qui est de changer le regard sur les cuisines traditionnelles et les cultures traditionnelles en les regardant un petit peu comme un témoignage de l'histoire, un témoignage de ce qu'est l'héritage culturel de l'Indonésie. Hai, nama saya Yuda Bustara. Saya seorang chef dan hari ini saya lagi ada acara di IFI. Acaranya seru banget. Tadi presentasinya dari Profesor Jean Pierre Poulin bagus banget. Dan kebetulan saya bekerja di industri makanan, jadi menurut saya eventnya tadi menginspirasi saya untuk bisa lebih berkreasi lagi mengenalkan masakan Indonesia di mata dunia. Pokoknya kalau ada event di IFI kamu harus datang.